This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Pardon. Salut à tous. Je tousse. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de la Taverne de la Fougère, qui sera aussi la toute dernière. Donc voilà, comme je l'ai annoncé sur le groupe Facebook de la Taverne, il y a peut-être un ou deux jours, j'ai précisé que j'avais pris la décision d'arrêter tout, les réseaux sociaux. Pas la nature, pas la verte, pas mes sorties, puisque ça c'est, voilà, c'est dans le sang, et puis que je suis gamin, donc je vais pas arrêter. C'est mon mode de vie. Mais par contre, le partage, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, tout ça, c'est mort. Je ferme, je supprime, j'arrête tout. Alors, aucun regret, hein, que ce soit clair, il n'y a rien là-dedans, c'était mûrement réfléchi, et je me suis rendu compte simplement que j'avais plus la motivation, plus l'envie du tout, de partager, d'être présent sur la toile, comme on dit. Tout du moins dans ce monde, Bushcraft. Je préfère arrêter pendant qu'il y avait encore une espèce de petite dynamique encore qui se faisait, tout du moins sur la partie Facebook. Ça a toujours été un excellent groupe. Comme j'ai déjà dit, je remercie toutes les personnes qui sont inscrites. Il y a toujours des échanges excellents, simples, cordiaux, sans prise de tête, rien du tout. Vraiment un super groupe que n'importe quel administrateur de groupe aurait rêvé d'avoir. Donc pour ça, vraiment... Je remercie toutes les personnes qui étaient sur le groupe et qui ont partagé, qui ont donné du temps, quoi. Je remercie aussi toutes les personnes de la chaîne, pour certains qui sont aussi dans le groupe Facebook, mais toutes les personnes de la chaîne YouTube, parce que je suis arrivé un peu n'importe comment dans ce monde-là, et puis du coup, on m'a suivi, quand on m'a fait confiance. Donc à tous, merci. Merci sincèrement, du fond du cœur, de m'avoir supporté. M'avoir donné un peu de côté humain à cette partie virtuelle, grâce à vos commentaires. Et voilà, il fallait que je vous fasse cette vidéo-là par politesse. Voilà, vous m'avez suivi, c'est un peu normal que je parte en vous prévenant, et pas comme un voleur. Donc voilà, l'aventure pour moi ne s'arrête pas, que ce soit clair, au niveau extérieur, niveau réseaux sociaux... Très très stoppé, très limité, puisque je vais juste garder mon compte Instagram, qui est passé maintenant plus outdoor, photographie, c'est mes deux passions, je suis en sorte de les allier. Par contre, YouTube, Facebook, voilà, à part mon compte privé Facebook que je garde pour la famille et les amis, mais j'arrête le bushcraft. Voilà. Alors certains vont se demander peut-être pourquoi, voilà, je vais essayer d'être rapide, sans rentrer trop dans les détails non plus. Quand je suis arrivé dans le monde du bushcraft, vu que j'ai toujours vécu un peu dans la nature, de par la partie familiale agriculteur, et puis le scoutisme par la suite, durant quelques années,
mes activités aussi outdoor, qui ont fait que j'ai toujours eu un pied dans la verte, comme on dit, hein, que ce soit le VTT, l'airsoft, etc. Voilà, j'ai toujours eu un pied dedans depuis des années, depuis que je suis petit en fait. Donc je suis arrivé dans ce monde-là et j'ai vu qu'il y avait une espèce de microcosme, un petit groupe qui se formait francophone au début, qui était vraiment super, beaucoup d'échanges, très très simple, vraiment quelque chose de bien. Et puis après ça a commencé à grossir vraiment très fort d'un coup, j'ai eu l'impression. C'est devenu un peu et je suis tombé dedans aussi, hein, moi le premier. Hein. C'était beaucoup la compétition aux abonnés, au nombre de vues, au partenariat, à qui a le plus beau couteau, qui a la plus belle tente. Enfin, je dis des conneries, mais c'était beaucoup beaucoup plus de m'as-tu vu que de réelle envie de connaissance et de partage en fait. Plus, faut pas le prendre mal ce que je vais dire, mais c'est pour un peu imager ce que je pense. C'est un peu comme si le Parisien ultra-urbain arrivait en forêt, balançait tout son matos à 20 000 boules et expliquait comment il fallait faire les choses alors qu'il est en train de regarder sur son bouquin du coin de l'œil. Vous voyez, c'était un peu ça. Il n'y avait plus cette partie connaissance ou envie de connaissance qu'on partageait. Un mec qui s'entraînait chez lui à faire des nœuds, qui faisait une vidéo pour montrer comment on faisait le nœud pour y arriver. Voilà, ça je trouvais ça bien, même si c'était pas une connaissance acquise depuis des années. Mais c'est quelque chose qui a été perdu, malheureusement. C'est devenu un peu trop la course aux abonnés, tout simplement, quoi, au buzz. Et ça m'a vachement, vachement choqué, ouais. Enfin choqué, un grand mot. Ça m'a vachement emmerdé, clairement. Emmerdé aussi parce que moi aussi, quelque part, j'étais un peu tombé dedans, sur le début de ma chaîne, à être content. Le nombre de vues, les abonnés, tout ça. Et c'était pas moi. Voilà, c'était pas ce que j'avais envie de partager en fait, réellement. J'ai partagé des choses qui me tenaient à cœur, comme les petites vidéos sur le froissartage. Ça, c'est quelque chose que j'adore. J'avais voulu partager, ça n'a pas marché d'ailleurs, en regardant le côté toujours à ce que ça marche derrière. Mais voilà, ça m'a fait plaisir, voilà, de faire ces petites vidéos-là. Ça m'a fait plaisir à moi de vous les montrer. Donc voilà, c'était un peu ça, c'était un peu le. Je me suis perdu tout seul dans cette espèce de fibre numérique. Pas tactile, quoi, il n'y avait pas d'humain, il n'y avait rien de tout ça derrière, réellement. Même si quelque part, ça le gardait un peu, puisque grâce à ça, grâce au fait d'avoir été un peu actif sur les réseaux, ce que j'ai pas envie de dire connu, parce que c'est la connerie ça, un peu actif. J'ai pu rencontrer des gens excellents avec qui j'ai gardé des contacts, hein, j'ai partagé des moments en réel, genre le temps d'un week-end, et plus par la suite. Donc, voilà, j'arrête, mais il n'y a absolument aucun regret de ma part. Au contraire, je suis vraiment fier d'avoir fait cette aventure, d'avoir pu trouver des gens comme vous, que j'ai pu voir ou non, avec qui j'ai pu communiquer. Mais voilà, je préfère arrêter tant que je suis encore dans la bonne optique, dans le côté heureux d'avoir fait ça, plutôt que je laisse tomber puis je m'en fous complètement quoi. Donc j'arrête là, sans regret, avec beaucoup de bons souvenirs, majoritairement, hein, voire quasiment que ça d'ailleurs, des bons souvenirs. J'ai mis quelques petites photos qui retracent très grossièrement un petit peu mes débuts sur YouTube. Et puis bah voilà, je m'arrêtais là. Simplement, voilà, je ne vais pas marquer sur tous les groupes que je suis parti, fin du monde, machin, je suis énervé. Non, tout va super bien, je suis hyper bien, quoi. J'ai vachement réfléchi à tout ça et en fin de compte, bah, je m'aperçois que je retourne vers ce que j'aimais. C'est-à-dire que je lâche la perte de temps, sans que ce soit péjoratif, mais c'est une énorme perte de temps de faire des vidéos. C'est tout le temps que je passais à faire des rushs et faire du montage, c'est tout le même temps que je perdais à profiter de ce que j'aimais. Et ça, c'est fini. Voilà, je veux plus ça. Je laisse à ceux qui ont envie de le faire. Je laisse aux certains qui préfèrent vivre numériquement qu'en réel. On va dire ça comme ça. Moi, je retourne au réel. Voilà, je retourne au réel. Voilà, sur Instagram, ça va être des photos. Parce que je m'emmerde plus à faire des montages, quoi que ce soit. C'est des morceaux de ma vie que je balance. Et ça me suffit très bien, quoi. Ça me suffit vraiment largement, voilà, ce côté partage aussi. Donc voilà, ben, je vous remercie vraiment à tous, groupe Facebook, chaîne YouTube, ceux que j'ai vus en vrai et ceux que peut-être je verrai en vrai un jour. Je quitte pas l'outdoor, je quitte juste le numérique. Donc merci vraiment du fond du cœur, et puis portez-vous bien,
profitez de la vie, parce qu'on n'en a qu'une, donc faites vraiment ce qui vous plaît. On s'en fout de ce que pensent les autres. Faites ce qui vous plaît, mais par contre, voilà, profitez de la nature, mais respectez-la, franchement, faune, flore, respectez au maximum, renseignez-vous, faites tout ce qu'il faut, faites pas de buzz, faites pas de conneries, respectez-la au maximum. Adieu.